Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale mais qui tourne énormément sur YouTube en ce moment. Je tiens tout de suite à vous préciser, si vous voyez des petites plantes dans le décor là qui vous plaisent, qui vous disent, si vous vous dites je verrai bien ça chez moi, n'hésitez pas, c'est sur shoptaplante.com, c'est ma boutique de plantes en ligne. Alors j'ai décidé de faire une vidéo vos pires anecdotes au lit ou vos pires expériences sexuelles. Voilà, parce que tout simplement j'ai décidé qu'on allait se dévergonder sur cette chaîne qui est beaucoup trop calme en fait. Comme vous le savez, nous sommes en confinement. En tout cas, à la date où je filme cette vidéo, nous sommes en confinement. Nous sommes le 20 mars, donc ça y est, premier jour de confinement. Attendez, j'ai un poil. Donc pour les personnes qui ne vivent pas avec leur concubine, leur concubin, c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis en collaboration avec la marque F-Slash. F-Slash, j'en ai déjà entendu parler. Déjà, je connais grâce à Clementine Jane, aussi à Pure Human Soul qui en avait parlé. Et en fait, c'est une boutique en ligne de sex toys. Donc voilà, tout simplement, je me suis dit pourquoi se priver d'avoir du plaisir. C'est un site qui propose des sex toys de tout genre. Il y a aussi de la lingerie, il y a beaucoup d'atypiques aussi. Mais ce qui prime... surtout c'est les petits prix, c'est les promos. Les prix sont vraiment abordables, voire imbattables en fait, complètement sur le marché du sex toys. Tous les produits de la boutique F-Slash sont stockés en France. Ils sont expédiés le jour même si vous commandez avant 13h et ils sont livrés dans un colis discret. C'est-à-dire que si vous vivez par exemple dans la maison familiale et que vous n'avez pas forcément envie que votre mère ou votre père ou quelqu'un d'autre reçoive le colis à votre place et qu'il soit marqué en gros « je contiens un sex toy », non, voilà, il y aura aucun problème, il n'y a pas marqué le nom F-Slash, rien du tout, donc vous pouvez commander les yeux fermés. Alors sur F-Slash on peut trouver la marque Satisfyer que j'aime énormément, d'ailleurs je vous en reparlerai plus tard parce que la marque Satisfyer c'est une marque que j'idolâtre, pour moi c'est la meilleure vraiment. Vous pouvez aussi trouver du Lelo qui est très très bien, j'ai jamais testé encore Lelo mais il paraît que c'est une tuerie. J'ai déjà entendu Nadjelika en parler et il paraît que c'est vraiment génial. Et il y a aussi la marque Dorcel, donc voilà, qu'on connaît tous, la marque Dorcel. Donc la marque m'a d'ailleurs envoyé un petit produit Dorcel. Je sais pas si vous verrez bien, j'ai toujours rêvé de faire ça. Je suis testeuse sex toy. Vraiment, ce glow up, on adore. Alors celui-ci, il accroche pas mal les poussières, donc vraiment bien le nettoyer quand vous l'utilisez. Cependant, il est en silicone ABS. C'est vraiment le sex toy à emporter où on veut, qui illustre vraiment parfaitement l'expression petit mais puissant. Comme c'est la marque Dorcel, il est à 29,90€. Contre attention parce qu'il est à pile, donc ce que je vous conseille c'est d'acheter des piles rechargeables pour que ce soit moins nuisible en fait pour l'environnement. Comme ça vous rechargez et vous ne jetez pas les piles. Malheureusement quand il y a des séries à petit prix, voilà, on n'a pas forcément de batterie interne. Du coup le fabricant mise plutôt sur des piles, donc voilà, n'hésitez pas avec les piles rechargeables, c'est beaucoup plus écologique. Ensuite pour seulement 9 centimes de plus, vous avez le vibro ma soeur Pretty Love Félix qui est en silicone également. Cette fois-ci on parle donc d'un sextoy pénétrant mais également pour le clitoris. Je vais vous faire un petit rappel des familles, mais l'orgasme clitoridien et vaginal n'existe pas, tous les deux sont clitoridiens hein. Parce que si vous avez bien suivi vos cours, ah non on ne le dit pas en cours, le clitoris, je vous mettrai un petit schéma, mais il est aussi à l'intérieur en fait du vagin. Donc en fait c'est deux branches qui relient le vagin. Du coup quand vous pensez que vous avez un orgasme vaginal, c'est quand même le clitoris, puisqu'en fait le clitoris c'est pas juste la petite boule qui dépasse, c'est tout l'intérieur et ça fait au moins 15 cm à l'intérieur. Donc forcément voilà, ça n'existe pas. Petit mythe qui doit être démenti on va dire. Avec celui-ci qui est également en pile, comme toujours on achète des piles rechargeables, comme ça on ne les jette pas. Je suis désolée, il y a un petit peu mouillé, je l'ai lavé hier et je l'ai pas séché. Alors vous avez 30 vitesses différentes, je sais pas si vous vous rendez compte, 30, alors là vous trouvez obligatoirement ce qui vous va hein. Et il y a 3 moteurs vibrants, et puis ça c'est totalement souple pour pas faire mal à votre clitoris. Et enfin le dernier produit qu'ils m'ont envoyé, on va descendre un petit peu en gamme puisque le prix est de 16,90€. Alors moi j'ai ressenti tout de suite qu'on baissait en gamme vraiment, parce que il est vraiment pas aussi bien que le deuxième que je vous ai présenté. Celui-ci c'est le vibromasseur Rabbit Rose, vraiment c'est le conditionnel qu'on connaît tous. Alors celui-ci il a que 7 modes de vibration comparé à 30 hein, du deuxième. Cependant il a le mérite d'être silencieux et waterproof. Je pense pas qu'il se plonge directement dans le bain, vous pouvez pas l'utiliser dans le bain, mais je pense qu'il peut recevoir des petites gouttes, voilà, si vous êtes sous la douche ça devrait aller, ou si vous faites des jeux avec de l'eau, voilà, ça devrait aller pour celui-ci. Je vous ferai une vidéo prochainement où je vous explique en fait pourquoi j'ai jamais vraiment parlé de sexe sur ma chaîne, alors que c'est quelque chose chez moi, en tout cas même dans ma famille, qui n'est absolument pas
tabou. Je veux dire, on m'a toujours éduquée dans le sens où le sexe, en fait, c'est pas sale. Si tu aimes ou même si tu n'aimes pas la personne, enfin voilà, c'est quelque chose qui se fait naturellement, qui n'est pas tabou, dont on peut parler, s'il y a des problématiques, on en parle, etc. Enfin voilà, j'ai toujours été éduquée dans ce schéma-là, on va dire, et je remercie grandement les personnes qui m'ont éduquée de penser comme ça, parce que ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux en parler librement, j'ai aucun problème avec le sexe, j'ai aucun problème dans ma sexualité. C'est vrai que dans une vidéo, je vous avais dit que j'étais pas prête, mais on reviendra dans une prochaine vidéo sur pourquoi en fait maintenant je me mets à en parler librement. Voilà, en tout cas vous avez un petit code promo avec la marque FSelage qui propose vraiment tout type de gamme, donc voilà, n'hésitez pas, c'est le code qui s'affiche juste là. Bon, du coup c'est parti, on passe à vos pires expériences. Alors je commence avec la première personne. C'était il y a 3 ans, j'avais commencé à parler avec lui par message, il était dans ma ville, on savait à quoi ressemblait l'autre. Ok, je le trouvais mimi, je l'ai invité à passer 2 jours chez moi et en fait trop gênant, rien à se dire, sa voix c'était comme écouter de l'ASMR ou une fourchette sur un tableau. Ah oui, mais pour moi l'ASMR genre c'est agréable en fait, du coup je sais pas trop si... Mais toi ça a l'air vraiment pas agréable. Et au lit, un cauchemar, il était croyant pratiquant, quand on couchait ensemble ça durait vraiment 1 seconde, il savait clairement pas y faire, même avec ses doigts, et en plus de ça, à la fin j'avais l'impression d'être un sac poubelle parce qu'il allait se laver et faire ses bails de croyant dans la salle de bain, bref, terrible coup, pas dans le bon sens. Ah, pour le coup, côté religion et tout, bon chacun sa religion, moi j'ai rien à dire là-dessus, vraiment si, il, je sais pas, il fait la prière après avoir couché avec toi, bon j'ai... J'avoue, ouais, c'est un petit peu... Mais voilà, chacun sa religion, pour le coup, moi, je suis pas là pour critiquer, même si je suis complètement athée. Tu sais, des fois, en fait, il y a des bails de... Ta peau, elle correspond pas à l'autre, enfin, je sais pas, t'as pas le feeling, même sa peau, elle te dégoûte, enfin... Voilà, c'est très compliqué, en tout cas, courage à toi. Un jour, je faisais là avec mon ex, j'avais mes règles, on était en lurette, il s'est arrêté, il était tout blanc, il m'a dit qu'il y a un truc sur la capote, il y avait un bout d'utérus sur la capote, on s'est arrêté, il était à 2 doigts de vomir. Après, il y a des gens qui sont vraiment mal avec le fait d'avoir du sang, en fait, sur, bah, sur leur... En fait. Comme je vous l'ai dit, faire l'amour pendant les règles, c'est totalement ok en fait. Vous mettez, soit vous faites dans la douche, soit vous mettez une petite serviette dans le lit pour pas qu'il y ait de tâches. Je vous avoue que moi personnellement, comme j'ai des règles hémorragiques, je suis pas du tout dans le mood de faire l'amour, j'ai mes règles. Je sais que quand je suis en fin de règles, c'est-à-dire vas-y le 7e jour où t'as encore 2 petites gouttes qui sortent, bon voilà quoi. Mon ex me titillait le nombril en pensant que c'était le clitoris. A mis 20 minutes à mettre sa capote, il n'était pas plus... Faisait grave du bruit en le faisant, c'était tellement gênant et pourri, mais il a eu le culot de me demander si c'était bien. Alors là, mais c'est le pire. Vraiment, s'il y a des personnes qui me regardent et qui pratiquent le coït, ne demandez pas si c'était bien, vous le saurez de toute façon si c'était bien. Vous voyez en fait quand la personne elle prend son pied, à moins qu'elle simule vraiment bien. Mais par contre, ce qui me choque, c'est titiller le nombril en pensant que c'était le clitoris. Non en fait. 20 minutes à mettre la capote... Je comprends, je comprends. Après, il faut être compréhensif, hein, voilà, c'est la vie. Je sais pas quel âge t'avais, quel âge vous aviez, mais en tout cas, le pire, c'est le nombril et demander si c'était bien. C'est un ex direct. Alors à cette époque, j'avais 17 ans et j'étais vierge. Soirée très alcoolisée, je suis avec mon ex dans le lit de ses parents. On tente des choses, mais aussi ivres l'un que l'autre, on n'arrive à rien. Le lendemain, on se rend compte que j'ai eu mes règles et qu'il y a du sang partout dans le lit des beaux-parents. Aïe, on a tout nettoyé, mais bon voilà. En vrai, j'ai trop d'anecdotes, je pourrais t'écrire un livre, je crois. Mais vraiment, en fait, go. Parce que moi, je compte pas m'arrêter là dans les anecdotes, vos pires anecdotes au lit. En tout cas, oui, j'avoue, c'est très très chaud déjà dans le lit des beaux-parents, et en plus d'avoir ces règles, moi j'aurais trop paniqué. Oh, horrible, vraiment. Alors, trigger warning sans, bon voilà, c'est vrai que j'aurais dû le faire avant, puisqu'on en a déjà parlé avant. En gros, à l'époque, j'avais un DU au cuivre, donc c'est le stérilet en cuivre, depuis 2 mois, et du coup, mes règles étaient super aléatoires. Première fois avec le bourg, premier cuivre de toute sa vie pour lui, on était dans la pénombre, et pendant qu'il faisait son affaire, je me disais, putain, je mouille vraiment de ouf. Bref, il termine, il va à la salle de bain, et une fois qu'il est sorti, j'y vais. Toujours dans la pénombre, il me fait un drôle de sourire pas souriant, je ferme la porte, j'allume la lumière et là du sang partout sur mes jambes, mon visage et tout, et j'entends une petite voix timide derrière la porte, dit tu aurais pas tes règles par hasard, j'allume la lumière, il y avait des traces de doigts ensanglantés sur le lit, vraiment il y en avait beaucoup, c'était affreux, oh là là. Mais en fait ouais, c'est vrai que les règles c'est tellement aléatoire, genre surtout avec le stérilet en cuivre où je sais que ça augmente le flux des règles, c'est pour ça que je ne veux pas en mettre. Franchement on est pas ensemble. Ah vraiment là, parce que oh, c'est horrible, ça veut dire genre il a bouffé ton sang de règles, oh non c'est trop triste, t'y peux rien et lui il peut pas t'en vouloir non plus, enfin c'est la vie, voilà.
voilà, c'est comme ça. Ton expérience me sert à faire des petites vidéos joyeuses comme ceci. Je suis allée passer le week-end chez un mec rencontré sur une appli. Soir, ce qui devait arriver est arrivé, mais il n'a pensé qu'à lui. Pas de prélit, pas de baiser, juste des allers-retours jusqu'à ce qu'il puisse. Et il m'a dit, punaise, c'est bizarre, tu es la première à rester si silencieuse. Et j'ai pensé, bah, en même temps, j'ai pas vraiment eu de quoi apprécier, je suis rentrée chez moi, et à ce jour, c'est le pire coup de ma vie. Mais tu m'étonnes, en fait. Il n'y a pas pire que les gens qui ne pensent qu'à eux. Vraiment, à quelle heure tu vas prendre ton pied, mais juste pour toi? Genre, tu vas pas essayer de faire prendre du plaisir à l'autre personne? C'est trop bizarre, les gens comme ça. Je comprends pas, vraiment. Franchement, courage, hein, parce que j'espère que tu retomberas plus jamais sur des personnes comme ça. Et si je fais aussi des vidéos comme ça, peut-être qu'il y a des mecs qui me regardent, qui pensent qu'à eux. Je dis des mecs parce que généralement, les meufs, elles savent, en fait. Les meufs se savent. Je pense qu'il y a des mecs qui regardent cette vidéo. Non, mais vraiment, pensez à l'autre, en fait. C'est super important. Alors, tu vas tellement rire, mais ça permettra peut-être de soulever un tabou aussi. Une fois, j'étais chez un mec que je venais juste de rencontrer, on a ensemble. Après avoir fini, je suis allée aux toilettes pour faire pipi, évitant les cystites, la base. Et là, je me relâche, sauf que j'avais tout l'air qui était bloqué qui est sorti d'un coup. Un froute, mais énorme, et ça a résonné de ouf dans les toilettes. Arrête, je pleure de rire. La maison, absolument silencieuse, est à côté de sa chambre. Je l'ai entendu tousser, on s'est jamais reparlé. Et je pense qu'il croyait que j'avais laissé... Je pense qu'il croyait que j'avais lâché un P énorme, alors que non, au final je reste sans doute dans ses souvenirs comme la meuf qui a lâché un gros P dans ses toilettes, et la vérité ne sera jamais dévoilée. Je meurs, c'est énorme cette anecdote, j'adore. Pour l'instant on est sur un 10 sur 10. Arrêtez, je me suis bien maquillée en plus ce matin. Ça arrive grave en fait, des fois les pets fouf, soit ça arrive pendant le rapport et puis c'est ok, genre limite vous pouvez en rire en fait, y a aucun souci, tant que vous reprenez et que ça vous remet dans l'action, enfin je veux dire un pet fouf ça doit pas vous bloquer en fait, c'est tout à fait normal. Limite en fait, si vous êtes dans une relation hétérocentrée, on va dire c'est le mec qui crée le pet fouf avec cette... Du coup vous n'y êtes pour rien, c'est lui genre qui a mal, enfin je sais pas comment vous dire, mais ça arrive en fait. Y a de l'air qui rentre dans le vagin, ça ne sent pas mauvais, y a rien de sale en fait. Mais trop drôle, quelque chose qui aurait pu totalement m'arriver en fait, trop marrant, vraiment force à toi. Je dirais pas que c'était si pire, mais la première fois que je l'ai fait, mon ex m'a mis une claque aux fesses, mais la claque était si timide, MDR, à chaque fois j'y reprends, je rigole, purée, je suis morte. Mais oui, je vois quoi. Alors en fait, si vous voulez mettre des fessées, c'est soit tout mais pas rien en fait, voilà, on va être clair là-dessus. Mais des fois en fait, tu sais, tu rates la fesse, j'ai l'impression, mais si tu rates la fesse, il faut recommencer et en mettre une grosse, vous voyez ce que je veux dire. C'était une fois avec mon ex, on était en plein dans l'action, j'étais dos à lui agrippée à une chaise dans l'élan, il s'est trompé de voix, sauf que ça m'a fait si mal que je suis tombée dans les pommes. Pardon, c'est horrible vraiment. Alors je venais de sortir d'une relation de 7 ans, je m'inscris sur Tinder et j'y croise un mec que je connaissais déjà un peu. On se voit chez lui, confinement oblige, on parle de nos vies sexuelles, je lui dis que j'aime bien avoir un peu mal au lit et que je suis pas contre le fait qu'on me tape dans le cadre sexuel, ok. Pendant l'acte, il me donne une claque, puis deux, puis une qui est partie un peu trop fort. Bah écoute, je me réveille 15 minutes plus tard avec le gadjo en panique qui courait partout dans l'appart, hôtel avec les pompiers parce qu'il pensait qu'il m'avait tué. Bref, vive les meufs, à la poubelle les mecs, je suis morte. Attends, il pensait qu'il t'avait tué, mais il t'a frappé tellement fort que tu t'es évanouie, genre... C'est un peu trop hard là, genre je sais pas. J'étais en vacances en Croatie, vers la fin du séjour je me dis bon je me taperai bien un petit croate moi. Me voilà à la recherche d'un plan Tinder. Je te passe les détails mais on se chauffe un peu, on se donne rendez-vous, le mec arrive en retard et on va chez lui. Déjà il arrive en retard, c'est next. Arrive dans son appartement et là il allume la télé, c'était Scooby-Doo en anglais sous-titré en croate, yes. Et genre le book commence à regarder, je me dis genre merde je suis pas venue pour regarder Fred et Daphné résoudre des mystères. Du coup je lui roule un gros patin et les choses s'enclenchent, ok. Et c'était nul, il l'a embrassé super mal, il faisait que dire des trucs chelous en anglais, j'ai cru qu'il allait me bouffer, wesh. Au bout de genre 15 minutes de pelle, je me dis, vas-y c'est bon frère, nique moi, et je me casse. Du coup je lui fais comprendre qu'on peut peut-être aller plus loin, et le gars pas doué tente, mais genre ça rentre pas. Merde. Et du coup, je prétexte d'être hyper gênée pour arrêter là. Je fais genre, j'ai un gros mental breakdown, remise en question pour qu'il me fiche la paix. On a fumé genre deux clopes ensemble, je suis partie et ça reste à ce jour l'un des souvenirs les plus what the fuck de ma vie. Mais déjà, y a rien qui va en fait dans cette histoire. Genre Scooby-Doo et tout, c'est quoi ce délire? Genre vraiment. Et toi qui fais genre que t'as un mental breakdown, genre alors que vous êtes censé être chaud de ouf, ça me flingue, je suis morte. Vraiment, cette histoire, j'aime beaucoup aussi, je dirais 9 sur 10. Elle était pas aussi marrante que celle du pet fouf. Avec un gars que je connaissais, on était potes, on se chauffait de ouf depuis de longs mois et il me vendait clairement du rêve.
Vraiment, il se prenait pour un dieu du sexe et me promettait la chance. Ça, c'est les pires. C'est souvent les pires. Donc, faut faire très attention avec les mecs comme ça. Je sais pas, enfin, genre, c'est trop bizarre. Moi, en tant que meuf, je dirais jamais, waouh, je suis une queen du sexe et tout. Enfin, je sais pas, je vendrais jamais ça comme ça. Au final, on l'a fait et c'était horrible. Il faisait des va-et-vient tellement rapidement qu'il aurait pu faire du feu avec ma vulve. Il était méga content de lui et moi, ça a été ma plus grande déception. Mais horrible. C'est le genre de personne qui se prend pour un marteau-piqueur alors que ça n'est pas excitant. Je sais pas, c'est pas une pire fois. Mais c'est un peu une anecdote de la loose. Pour le contexte, j'avais un plan qui se foutait un peu de mon plaisir. Un jour, je vais chez lui, direct, il me saute dessus, quasiment pas d'échauffement. Au bout de quelques secondes de pénétration, c'était désagréable pour moi. Je lui demande de mettre un peu de lubrifiant. Sa réponse, ah bah ça sert à rien, j'ai déjà fini. Il est parti aux toilettes et m'a plus calculé, si ce n'est pour des câlins. Mais on est où là? Genre vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte que cette vidéo, ça prouve à quel point les mecs se fichent de notre plaisir. Et c'est pour ça aussi que je fais une vidéo sur F se lâche et je vais faire mes meilleurs partenariats. C'est parce qu'en fait, c'est juste pas possible. Vraiment, donc n'hésitez pas, vous avez un code promo sur F se lâche pour vous faire plaisir toute seule. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'à deux, souvent c'est très compliqué. Ensuite, une fois avec mon ex en pleine, j'ai eu une succession de pets vaginaux. Je suis partie dans un fou rire incontrôlable. Il voulait qu'on s'arrête si je ne me calmais pas, ce que je n'ai pas réussi à faire. Alors on s'est arrêté à contre-coeur. Il était un peu gêné, mais ça me faisait tellement rire. Vraiment, les pets vaginaux, c'est trop drôle. Totalement naturel, vraiment, n'ayez pas honte, il n'y a aucun problème. Il y a pas mal d'histoires qui se répètent, genre ouais, il a fini super vite et tout. Sachez les garçons, si vous me regardez, ou les filles qui ont un pénis, je ne sais pas. Il y a des astuces apparemment pour tenir beaucoup plus longtemps, donc voilà, n'hésitez pas. Après, oui, il y a plein de gens qui disent, ouais, c'était difficile, le pauvre et tout. Je le comprends, mais faut pas shamer la personne, ça va la trauma à vie. Vraiment, faut faire très attention avec ce qu'on dit. Faut pas rigoler de la personne, etc. parce que ça doit être un mal-être vraiment énorme. La petite histoire, je voyais un gars plan cul depuis quelques semaines. Ça se passait relativement bien. Le seul hic, c'est qu'il commençait à avoir des sentiments et moi non. Pourtant, les choses avaient été mises au clair dès le départ. Ok. Bref, on se voit un après-midi, on le fait plusieurs fois et au bout d'un moment, le gars me sort alors que j'étais sur lui. Pousse-toi, je ne sais pas ce qu'il... Quoi ? Pousse-toi, je ne sais pas ce qu'il va sortir. Et là, le type a littéralement pissé. Il y en avait partout sur la couette, les fringues. J'étais archi dégoûtée. Je te raconte pas le malaise. Quelques jours plus tard, j'ai stoppé la relation. Attends, c'est trop bizarre là par contre. Le mec, il a pissé en te disant « Pousse-toi, je ne sais pas ce qui va sortir. » J'avais jamais lu ça. Je savais même pas que c'était possible. Mais genre... Je suis dans l'incompréhension, vraiment, force à toi, tu as dû vivre ça. Genre, moi, si j'étais le mec, j'aurais pas laissé la chose sortir, enfin, je sais pas, si tu sais que tu pisses au lieu de... C'est vraiment étrange, hein, quand même. J'avais 17 ans, je pratiquais ma première tutute, j'avais demandé à la personne en question de me prévenir quand il allait venir, quoi, sauf qu'il ne m'a absolument pas prévenu. J'ai tout ramassé en bouche et le drame arriva, tout ce qui était dans mon estomac lui est tombé dessus. Mais ça, c'est prévisible. Tu as demandé au préalable à la personne de te prévenir et elle s'en fiche, en fait, genre... T'es un objet, ah ça me rend ouf, vraiment, force à toi aussi parce que ça me rend ouf. Bon voilà, en tout cas c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si ce petit concept, ce petit format vous plaît. Je vous fais en tout cas plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, ciao.